sorti dans verset 5 pour arriver dans verset 7 là, c'est parti dans la Bible là qui permet nous commencer avec vidéo ça jeudi. Allez, dit David serviteur là. Mais ça moi-même Seigneur, moi voyez dit. C'est pas moi-même qui pourrais bâtir un temple pour m'rêter. Depuis jour moi t'ai fait peuple Israël yo sorti qui t'ai payé l'Égypte privé jeudi là. Moi pas jamais m'rêter dans yon caille. Tout côté me passé, c'est en bas un temps toile moi toujours yé. Dans tout déplacer moi ensemble avec mon Israël yo. Moi pas jamais mandé yon nan chef moi t'ai choisi pour gouverner peuple moi pour qui ça yo pas bâti un caille en bois sept pour moi. Moi c'est Saint-Just Claude et ça c'est Activida, l'espace de l'enseignement qui poté pour vous, le temple de Salomon, façon temple en construit avec mystère qui derrière construction. Selon la Bible, temple Salomon c'est édifice religieux que roi Salomon t'a bâti à Jérusalem dans zone qui est le Morija, sous tête mont du temple au 10e siècle avant Jésus-Christ. Salomon fait bâtir temple ça dans 4e année règne li et travail ça a été duré environ 7 années. Les travaux yo fini, Salomon rassemble tout chef tribu yo pour te ka assister les yo pour introduire l'arche de l'alliance dans le sein des saints ensemble avec ustensiles ou bien objets sacrés. Yo fait connaître que temple été détruit en moins 586 par le roi Nebuchadnezzar II. Et yo t'a raconté que un deuxième temple t'a reconstruit sous reste premier temple là ou bien sous ruine premier temple là. Selon la Bible, Salomon gagnait te recevoir plein temple là de papal qui c'est roi David. Dans livre 1 roi chapitre 6 et chapitre 7, n'a besoin une description directe de temple là, des caractéristiques liées à la façon que il était construit. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 30 de hauteur. Première pièce devant te gain 15 pieds longueur, 30 pieds largeur, il était même largeur à Kaila. Muraille temple te gain fenêtre à grillage barré. Kole ak muraille yo sous deux sous-côté yo ak sous derrière temple lan ak pièce derrière li fait bâti trois rangs pièces yon sous l'autre. Chaque étage te gen 7 pieds demi hauteur. Chaque pièce nan dernier étage en bas te gen 7 pieds demi largeur. Pièce nan étage nan mitan te gen 9 pieds largeur ak pièce nan étage en haut net la te gen 10 pieds demi. Muraille temple lan tes pilages en bas passé en haut comme ça go traverse plafond yo te chita sous muraille yo sans yo pas besoin fouiller trou là-dedans yo roche te servi pour bâtir temple là te paré depuis dans mine roche côté yo te joine yo comme ça pendant yo t'a bâti temple là pas de gain ken bruit mato ni bruit ciseaux ni bruit en ken outil fait. Porte pour entrer dans première chambre en bas yo te bay sous bord sud temple. Te gen escalier pour monter dans premier ak nan deuxième étage yo. Le Salomon fin bâti temple, li mette yon plafond fait ak travesse ak planche cèdre. Li bâti pièce chambre yo tout à rebord temple. Chaque étage te gen 7 pieds demi hauteur. Yo te collé ak muraille Kaila. Yo te maré sous muraille là à travers sed. C'est comme ça Salomon fin bâti temple là. Toute muraille yo te plaqué sous en dedans ak planche sed. Depuis plancher a rivé dans plafond a. Plancher a te fait ak bois pichepin. Di bâti sous dernier temple là. Yon gros pièce li rele pièce qui a pas net pour Seigneur. Pièce là te gen 30 pieds longueur. Panneau pièce là fait ak planche cèdre qui sorti depuis à terre rive nan plafond. Parti temple là qui te devant pièce qui a pas net pour Seigneur te gen 60 pieds longueur.
soit dans toute miraille temple en te couvri avec planche cède. Au pas de kawe, yon wash. Planche cède yo te travail avec dessin fleur, avec ti calbas sous tout koyo. En dans temple, sous derrière, li bâti en pièce à part pour Seigneur. C'est là yo te mette boîte contrat Seigneur. Pièce là te gen 30 pieds longueur, 30 pieds largeur et 30 pieds hauteur. Li te couvri net à clo. Sous devant pièce là, yo bâti un hôtel avec bois sed. Le fini, yo te couvri li net à clo. Tout muraille en dans temple te couvri à clo. Pièce à pas net pour Seigneur te couvri à clo tout. Yo fait chaîne là pour fermer porte pièce qui a pas pour Seigneur. Comme ça, tout en dans temple net, ensemble avec l'hôtel qui était devant pièce qui a pas pour Seigneur, te couvri net à clo. Faut que nous pas oublier que te gagné deux l'hôtel et pour distinguer yo. Premièrement, l'hôtel qui était devant sanctuaire. Deuxième l'hôtel là, c'est l'hôtel des holocaustes, lui-même qui était situé dehors temple. Il était là pour recevoir corps bête qui sacrifié yo. Selon 2 Chroniques chapitre 4, il était mesuré environ 20 coudées de longueur et 20 coudées de largeur à qui une hauteur de 10 coudées. Dans la pièce qui a pas net pour Seigneur, il fait deux statues en chérubin. Il était couvert yo à clor net. Yo te mette zanjou kampe yon bon kote lot, ak figi yo bay sou pot entre piès la. Yo chak te gen deux zèl. Chak zèl te genyen 7 pieds demi longueur. Zèl yo te louvri. Point zèl an dan yo te touche yon ak lot, nan mitan piès la. Deux point zèl de yo touche ak deux murailles sou kote yo. Kon sa, longueur tout zèl yo ansam te bay 30 pieds. Les faits ont fait un rideau pour pièce qui a pas net pour Seigneur, à toile bleue, toile rouge, toile violette. Les faits boudés portent les anges chérubins sur rideau à tout. Sur toute muraille en dans temple, te gen portrait anges chérubins, portrait pied palmiste et portrait fleurs que yo te travaille dans bois. Même plancher a été couvert à clos en dedans coup dehors. Salomon fermait en porte deux battants faits avec bois olive pour fermer pièce à part pour Seigneur. L'entre porte là avec deux montants yo te prend un cinquième dans ouverture porte là. Battant porte yo te décoré avec portrait ange chérubin. Pied palmiste avec fleur yo te travaille dans bois. Toute porte là ensemble avec portrait yo te couvert net à clos. Porte pièce mitan temple, te genyon encadrement fait ak bois olive qui te prend yon ka nan ouverture porte la. Porte la même te fait en pichepin. Li te gen 4 battants. Deux battants chaque bo qui te ka fermé yon sou lot. Battant porte yo te décoré ak portrait ange chérubin. Pi palmis ak fleur yo te travaille sou bois. Tout porte la ensemble ak portrait yo te couvri net ak lò. Li fait bâti yon la cour fermé devant temple. Muraille la cour a été faite avec yon rangé madrier cèdre pour chaque toit rangé wash yon sous l'autre. Wa Salomon voyait chercher un boss qui était relé Hiram tout. C'était yon moun la ville Tyr. Papa Hiram était moun la ville Tyr tout. C'était yon boss fort. Nan travail cuivre. Maman li te moun nan branche famille Neftali. C'était yon veuve. Hiram te yon moun ki te gen pile l'adresse, en pile connaissance ak bon comprendre pour faire toute qualité travail en cuivre. C'est comme ça li te vin kaywa. Li fait tout travail li yo. Hiram coulé deux gros poteaux cuivre won yo. Yo chaque te gen 27 pieds hauteur. Un poteau yo te mesuré 18 pieds. Li mete yo campé devant temple. Après ça,
li fait faire bloc cuivre tout pour aller sous tête poteau yo. Yo chaque te mesurer 7 pieds demi hauteur. Li décoré rond tête poteau yo avec des petites chaînes marquées yon à clot. Te gen 7 dessins comme ça pour chaque tête poteau. Li mettait deux rangées grenades en cuivre en haut et en bas de petites chaînes là sous toute ronde chaque tête poteau yo. Tête poteau qui n'a gros la cou devant te gen forme yon flèche ou black. Yo chaque te gen 6 pivoteur. Sous rebord en haut chaque tête poteau yo te gen yon ventre ressorti qui te en haut de senti chaîne yo. Ak dessin portrait grenade sous deux rangées qui te fait ronde chaque poteau yo. Il ramène tes poteau yo campé devant porte entrée temple. Yon sous bord droite, yon sous bord gauche. Li rele sa ki sou bò dwat la Jacquin, sa ki sou bò gòch la Boaz. Sou tèt chak poto te gen yon blok an fòm yon fleur. Se kon sa Iram fini ak travay poto yo. Apre sa, Iram fè yon gro basen an cuivre. Tout rond. Il était mesuré 15 pieds largeur en dedans avec 7 pieds demi fondeur. On était mesuré 45 pieds. Sur tout le bassin, hein, sous dehors, il y a deux rangées de calebasses en cuivre. Si tu as en bas au bord, il y a 10 calebasses pour chaque pied demi longueur. Il était fait un seul corps avec bassin. Il était coulé ensemble. Le ou tap fè bassin. Bassin te chita sou do 12 taureaux bœuf en cuivre. Fas taureaux yo tout bay sou de yo. Fas toi bay sou soleil levé, fas toi bay sou bon nord, fas toi bay sou soleil couché. Ak fas toi bay sou bon sud. Derrière yo te en bas bassin. Ou bon bassin te gen 3 pouces épaisseur. Rebò a te tankou rebò yon tas. Li fè yon ti vire sou de yon tankou yon fleur. Bassin yon te ka kembe 10 000 galon kon sa. Iram te fè 10 kabwa an cuivre. Yo chak te gen 6 pie longueur, 6 pie laje ak 4 pie demi hauteur. Yo te fè tan ti pano kare kare qui était monté dans un encadrement. Sous chaque petit panneau, yo, te gen portrait lion, portrait taureau ak portrait zanj chérubin. Sous rebord yo, en haut ak en bas, lion yo ak taureau yo, te gen yon rangé fleur ressorti. Chaque kabwa te gen 4 roues en cuivre ak lesye en cuivre tout. Nan 4 coins yo, te gen yon zépolman. A tout, 4 poukembe bassin en place. Les épaulements ont été décorés avec yon rangé fleurs chaque bord. En haut, chaque cabois, te gen yon encadrement tout rond pour bassin yo. Encadrement te gen 18 pouces largeur en dedans. Li te gen dessin sur tout col. Parti en haut cabois te carré, li pat rond. Ou yo te gen 25 pouces hauteur. Yo te en bas panneau yo. Lesye ou yo te fè yon seul pièce à kres kabwa. Ou yo te tan kou rouch à la gè. Pen yo, jant yo, rayon yo, lesye yo, tout te fè en cuivre. Kat zépolman ki te nan coin en bas chak kabwa yo, te fè yon seul pièce pou chasi kabwa. Pati plat en haut kabwa te décoré ak yon 9 pouces hauteur qui te fait rebord ouverture. Zépolman qui te nan coin en haut yo ak panneau yo te fait yon seul pièce ak kabwa. Yo te décoré panneau yo ak zépolman yo ak portrait zanj chérubin. Portrait lion ak portrait pied palmiste tout côté yo te joine yon ti espace ak fleur sou tout ron nan. C'est comme ça, Iram te fait 10 kabwa yo. Yo tout te fait même gens, même forme, même grosseur. Iram te fait 10 bassins tout. Yon pour chaque cabois. Chaque bassin te mesuré 6 pieds largeur.
et chaque te kembe 200 gallons comme ça. Li mette 5 cabois sous bord sud temple, l'autre 5 yo sous bord nord. Gros bassin cuivre là même, li mette le sous bord droit temple dans coin sud-est. Salomon te fait tout meuble yo te besoin pour temple en l'or. L'hôtel là, ta poupin yo mette à part pour bon Dieu. 10 lap 7 branches pour ranger devant pièce yo mette à part net pour Seigneur. 5 sous bord droite, 5 sous bord gauche. Fleyo, ti lampio ak pincet pou 7 branches yo. Gode yo, koto pou netwaye lampio, bol yo, plateau pou lansan yo, plateau pou pote chabon du fe tout lumen yo, gong pou pot pièce ki ap net pou Seigneur a, ak gong pou pot temple lan menm. Tout bagay sa yo te fèt ak bon lòr.